On en vient à ces violences toujours en cours à Bagdad. Des hommes armés ont fait exploser une voiture piégée et ouvert le feu dans un quartier fréquenté de la capitale. Ils ont ensuite pris en otage des personnes dans un centre commercial et le bilan s'alourdit. On parle d'au moins 8 morts. Les terroristes sont toujours retranchés à l'intérieur du centre commercial et les autorités redoutent qu'ils portent des ceintures explosives.